Florian Derly, je suis havrais et je suis le chef d'entreprise de la société Hamster qui se trouve à Mélamar, à côté de Saint-Romain-de-Colzbox. Ce sont les anciens établissements Major Johnson Control que l'on a acquis en 2001, donc depuis maintenant 20 ans. Et on a une activité, deux activités principales, la logistique en délégation de services, c'est-à-dire nos clients ont décidé de se séparer de leurs entrepôts propres et de confier ça à des professionnels, en gardant juste des bureaux et en se concentrant sur leur cœur de métier. La deuxième activité, la fourniture d'accessoires et de réactifs pour les laboratoires de tous les sites pétrochimiques, Céveso, les raffineries et les boutiques qui vont avec. On est actuellement 16 personnes. Pour clients, on a aussi un centre de formation qui est ECF Cotard, qui fait les permis CACES, caristes, les permis autocar, poids lourd et le diplôme de préparateur de commandes. Magasinier préparateur de commandes. Dernièrement, au dernier exercice de sécurité, nous étions 75 sur le site. On a tous les outils sur le site, notamment de manutention, on va de 1,5 jusqu'à 45 tonnes. Il me reste une fierté quand même, par une activité dont j'ai gardé la marque et qu'on continue de réaliser. On a notamment réalisé les deux arches qui se trouvent au bout de la rue de Paris pour les 500 ans du Havre, avec notre cabine de peinture et de grenaillage qui sont toujours en activité. La superficie du site est de 6 hectares et demi avec 12 500 m² d'entrepôts couverts. Cela fait 4 ans que je suis partenaire avec le Havre Handball. J'ai été séduit par le projet de remonter en première division. Et pour moi, c'est beaucoup quand même un lieu de convivialité, d'échange, avec maintenant, je dirais, plus une famille en fait. Alors pour l'année prochaine, je leur souhaite la remontée en première division.